Assassiné, mais pourquoi ? Assassiné, mais pourquoi ? Il est à profond et de nier ma foi. Ils ne veulent pas de ce bien, ces putains d'assassins. Hélas que dans ce monde il y a trop de place pour le mal. À moi très souvent la colère ronde, ça me mine énorme le moral. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, soutenant de bien nobles causes, dénonçant, s'engageant, s'opposant, il ose. Est assassiné le 22 novembre 63, histoire de dire ton bien on n'en veut pas. Il prônait la non-violence, conduisant son pays à l'indépendance, agissant pour la dignité humaine, adepte de la philosophie indienne. Un très grand guide spirituel, très respecté en tant que tel, pour la fraternité entre les communautés et contre les lois coloniales instaurées. Mahatma Gandhi assassiné le 30 janvier 1948 à Delhi. Assassiné, mais pourquoi ? État profond et de nier ma foi. Ils ne veulent pas de ce bien, ces putains d'assassins. Défendant toutes les minorités, les rassemblant devenant majorité. Un cœur pur dans un homme vrai, je te vois ainsi Michel mon enfoiré. Révolté par la détresse des parias, des affligés, de ceux qui souffrent de la précarité. 1985, tu fondes les restos du cœur, histoire de réduire le malheur. Juin 86, emporté par un accident de moto, on sait aujourd'hui que tout cela est faux. D'autres prônaient aussi le bien, qui n'ont pu arriver à leur fin. Victimes de ces mals intentionnés, protégeant leurs enjeux financiers. De très grands fumiers sans foi ni loi, bien pourris jusqu'à la moelle, crois-moi. Pire que des hyènes, de gros charognards, ils paieront très cher tôt ou tard. Et ainsi en paix reposeront nos héros, entre autres Luther King, Balavoine, nous dit Mello. Assassiné, mais pourquoi ? Il est à profond et de nier ma foi. Ils ne veulent pas de ce bien, ces putains d'assassins. Assassiné, mais pourquoi ? Il est à profond et de nier ma foi. Ils ne veulent pas de ce bien, ces putains d'assassins. Ces putains d'assassins. Ces putains d'assassins.